Permettez-moi alors de vous dire quelque chose de terrible. C'est qu'après avoir lu le programme politique du professeur Maurice Kamto, je vous assure que même si on l'applique seulement à 40%, le Cameroun se met debout. Mais merci. Est un génie. Hier, je l'ai appelé lieutenant. Et les gens m'ont fait le reproche de l'avoir appelé lieutenant. Mais je leur donne la réponse suivant laquelle, même dans l'armée normale, on a droit au grade quand on travaille. Et il mérite ses grades. Ce monsieur travaille bien et ce qui est particulier chez lui, c'est qu'il comprend bien et il travaille bien à une vitesse terrible. Ce qui m'a amené à dire que il ne peut donc plus être lieutenant. Il mérite d'être surclassé. Et on a donc décidé de le surclasser colonel. Le colonel Maurice Kamto passera général. Et voilà la population rassurée ici, mesdames et messieurs. Restez connectés. Ça pouvait être autrement. Quand un pays est dirigé par un personnage qui a 86 ans, passe sa vie à jouir et à faire jouir ses amis. Oh là là! Regardez à quoi ressemble le Cameroun. Moi j'ai eu la chance parce que je suis au milieu du siècle, j'ai eu la chance de connaître l'ancien régime et de connaître celui-ci. Dans l'ancien régime, il y avait les 13e mois de salaire. Dans l'ancien régime, Monsieur Amadou Ahidjo nous a laissé 159 entreprises parapubliques. Paul Biya est venu, il a privatisé 122 entreprises. Il a de l'énergie.
Parce que si vous n'avez pas de l'énergie, vous ne pouvez pas faire 316 communes en 9 mois. Et en dehors même de cette tournée-là, il en est des moments où, avant-hier par exemple, j'étais chez le professeur Maurice Kanto, on s'est séparés aux alentours de 1h du matin. Mais il sortait d'une série de réunions et de meetings. À côté de ça, vous avez Paul Biyan qui descend de l'avion comme ça là. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Allez-y, on va passer. Mais vous êtes des sorciers. Dites avant moi qu'ils sont des sorciers. Ils sont des sorciers. Paul Biya et ses amis sont des sorciers. Nous les chasserons ensemble. Mesdames et messieurs, croyez-moi, le Cameroun, l'heure du changement dans ce pays est arrivée. Le professeur Kanto a subi un autre procès suivant lequel c'est un parti de Baham. Mais est-ce que moi je suis Baham? Non! Est-ce que je suis Baham? Oui, nous le professeur Kanto.